Bonjour, c'est Marcel, ça va? Ben, nous aussi, ça va bien. Avec joie, on est venu vous parler de nos copains. On va commencer par vous parler d'Allemand. T'as sacré lumière, celui-là. Allez, vas-y, Joël. C'était un pauvre gars qui s'appelait Armand. L'avait pas de patron, l'avait pas de moment. Pauvre gosse naquit dans la misère. Aussitôt, on lui demanda. Avec sa mère, puisqu'il n'avait plus de pompon, c'était un beau gars qui s'appelait Armand. Il n'avait pas de patron, il n'avait pas de bon. Hey, c'est encore Marcel. Marcel et puis Joël, on est venu vous parler cette fois de notre copain Mimi. Oh, d'un sacré phénomène, Mimi. Pas sûr. Mimi, roi de la gare au bistrot. Et un pari rigolo, les frères à ce bonne femme en rentrant. Si tu ne peux pas fouer depuis longtemps, t'entends, Mimi, en montant sur l'escalier. Oh, t'es déjà bien énervé. Ça y a qu'on fait tête main d'un step. Et tu l'as prisonnier d'un cigarette. Quelqu'un, on peut t'en prier. Ramonce tout au fond de sa vie. Ça va, ça va. Ça va bien. Et ça va, c'est sûr que ça va bien. Et ça va bien, Joël, il va bien. Bah, nous aussi, on va bien. Ah ouais, alors je vous disais, maintenant, Mimi, il en a marre. Alors forcément, il en a marre. Et puis Germaine, qu'est-ce qu'elle fait? Germaine, elle va au thé dansant. Oui, madame, au thé dansant qu'elle va, Germaine. Bah alors, la préparation. Je vous dis pas. Enfin, je vous dis pas si je vais vous le dire. Ah, hein, qu'on va le dire. C'est sûr, on va le dire, oui, oui. C'est Mimi qui nous la raconte. Un coup sur un cul, c'est pour toi que ça pue. Non, c'est pour que ça sent bon. Un coup sur l'oreille, et puis l'autre, tu parles. Un petit peu de savon sur le bout de sa main. Puis à ce que c'est que, au chapitre d'incision, elle fait ses frisettes de couleur violette. Et entre la laitue du persil, la du thym et du romarin, au fond y a un petit coin tranquille, la cabane au fond du jardin. Pas de bonne femme pour nous engueuler, là au moins on nous fout la paix. On joue à cartes, on boit des coups, gosier sec c'est pas pour nous. Alors quand t'arrives, je suis au Maurice, ben là on se tape des coups de pastis. Et quand il y a gros Richard, ben là on attaque au Ricard. Oui mais le pire c'est chez Gardin, ici c'est un vrai temps de brun. Y'a plus d'hiver, y'a plus d'été, le naturel. Un jour la tendre Annette, le cœur plein de désir, délaissant sa chambrette, a pris bien du plaisir en cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en gaulant des noix, en cueillant la noisette et la fraise des bois, en cueillant la noisette et en gaulant des noix. C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de sa Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Non, de Crécy. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi. Je pensais les arbres à bourgeonnes et les gueules de loups boutonnent. Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie aussi. Et un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche. Félicie aussi. Je vous la connaissez tous, hein, Félicie. Je vais vous parler de notre copain Renaud, celui qui travaillait chez Citroën.
L'abus d'alcool, l'abus de tabac, ça fait des mauvaises influences sur son comportement sentimental. Alors finalement, je vais vous chanter ce qui lui est arrivé. Il était tout mou dans le kangourou. J'avais beau tirer l'élastique, il bougeait plus, ça marchait plus. Alors j'ai appelé Monique. Les bons becs bleus, les trucs chimiques, ça n'avait plus rien de magique. J'ai besoin d'aide pour qu'il soit raide. Alors j'ai appelé Monique. Une vie simple en vérité, celle dont on ne parle jamais, qui se résume en quelques mots, avec parfois devant métro. Un homme simple en vérité, qui a surtout beaucoup aimé la vie sans en avoir l'air, sa femme sans faire de manière. Mais quand Marguerite est partie, le lendemain il l'a suivie, et même pour le dernier saut, il a filé derrière. Je suis pas du sud, je suis pas du nord, comme qui dirait entre deux ports. Chez moi s'appelle Picardie, et quand j'en suis loin, je m'ennuie. Au Crotoy se couche le soleil, avec des couleurs sans pareil. L'abbé s'allume de mille feux et de vols d'oiseaux merveilleux. Je suis pas du sud, je suis pas du nord, comme qui dirait entre deux ports. Chez moi s'appelle Picardie, et quand j'en suis loin, c'est pas ceux qui s'aiment tout doucement sans faire le bruit. Et la mer efface sur le sable. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Oh, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Aussitôt que l'on chante, c'est déjà qu'il fait beau. Tous les mots qu'on invente, on les vole aux oiseaux. C'est déjà que l'on pense au début de sa vie, que ce sera jamais, jamais, jamais fini. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Oh, je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. Je t'aime à la folie, je t'aime à la folie. La vie. Je suis pas du sud, je suis pas du nord. Chacun son coin, chacun son fort.
Oui, mes racines sont ici. Chez moi s'appelle Picardie. Je suis pas du sud, je suis pas du nord, non. Chacun son coin, chacun son fort. Oui, mes racines sont ici. Chez moi s'appelle Picardie.